sont à toi. Yeah.
et pour être sûr qu'il n'y a aucune facilité dans ce travail de précision, eh bien on rajoute un bandeau. Il faut donc que Maître Ton maintenant prenne ses repères afin, lors de son mouvement, car c'est un mouvement qui va être enchaîné. Voilà, de nouveau le maître prend le repère de ses cibles. Et il faut, en ce qui concerne les deux ananas posés sur la nuque, donc devant et ensuite sur l'autre disciple derrière, il faut absolument que la coupe s'arrête très 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 précisément. Car bien évidemment, sinon, c'est le danger. Alors attention, l'action dans quelques secondes. Et voilà les trois ananas tranchés et bien tranchés, prêts à rentrer dans la composition d'une salade de fruits, telle qu'aimerait la déguster notre collègue d'Eurosport Marc Montoya. C'est son dessert préféré. On revoit au ralenti cette coupe d'ananas. Avec cette coupe d'ananas, merci de votre vie à l'étonne. Maître Tong qui offrait donc pour ce 10e festival des arts martiaux son habileté légendaire.